Le commerce équitable a connu un essor important ces dernières années. Pourtant, malgré un chiffre de vente mondial d'un demi-milliard d'euros, la proportion du commerce équitable reste minime et sans cesse déstabilisée par de grandes entreprises. Planète en question s'est interrogée sur l'avenir et les difficultés de cette forme de développement durable. Brésil. Caoutchouc équitable, coton bio, confection éthique. Quoi de mieux pour être bien dans ses baskets ? En Belgique. Liège, Luca Greco a ouvert il y a un an une boutique branchée dans le secteur de l'habillement. Il vend différentes marques issues du commerce équitable, dont les baskets Veja. Je suis tombé tout de suite amoureux de ces petites baskets. Elles sont très fashion, un peu old school. Et ce qui me plaisait aussi dans Veja, c'est justement le fait qu'elles soient en commerce équitable. Et comment vous avez découvert ces baskets ? Un peu par hasard, les salons. On fait les salons à Paris, à Barcelone, à Berlin. On découvre ce genre de produits-là. Mais j'ai été conseillé par mes amis de chez Miséricordia, qui est une autre marque de vêtements en commerce équitable, qui m'ont conseillé tout simplement de m'adresser à Veja pour vendre des petites baskets ici à Liège. Et ça se vend bien, les baskets ? Très, très bien. Je suis très content. C'est la deuxième saison qu'on vend les Veja ici à Liège. La première saison a été très très bonne. On a rencontré tout de suite un vif succès avec celle-ci. Veja a fait beaucoup beaucoup de publicité dans les magazines déco, mode, style flair, Gaël, etc. Et je vais dire, la publicité se fait toute seule et les gens viennent vraiment tout de suite au magasin et ils savent déjà de quoi il s'agit. Dans le nord-est du Brésil, à quelques 200 km de Fortaleza. C'est ici que Pedro Jorge a essayé de relancer une culture agroécologique du coton local. Aujourd'hui, son principal acheteur est Veja. Le contact s'est fait à travers Internet. François, un des fondateurs de Veja, qui habite Paris, est rentré dans le site Esplar parce qu'il cherchait du coton agroécologique au Brésil. Il a obtenu quelques informations et après il a téléphoné à Esplar et nous avons discuté. Ensuite, il nous a rendu visite, il est venu à Choro, on est allé à Tawa pour voir comment on réalisait la production et on a alors établi un partenariat pour l'achat du coton. Veja cherche à établir un prix juste, qui est négocié sur la base du coût de production du coton et de sa transformation, de manière à proposer aux agriculteurs un prix qui les incite à continuer à produire, mais aussi pour que Veja puisse obtenir une marge bénéficiaire lui permettant de rester compétitive sur le marché. Toute la production est déjà vendue. Veja achète 60% et Justa Trama 40%. Et con a Justa Trama, os outros 40%. Está sendo bom para a experiência porque. Pour nous, c'est très bon comme expérience. Nous avons appris à travailler la terre, la régénérer. Avant, on enlevait ce qu'elle produisait, mais on ne la nourrissait pas. On a appris à travailler de manière écologique. Nous produisons moins. C'est difficile de travailler en agroécologie, mais le peu que l'on produit est de qualité. Et le prix est plus élevé ? Comme on travaille avec le commerce équitable, il est plus avantageux. La situation est meilleure, mais le quotidien reste difficile. Quand il nous reste du temps après notre travail en agroécologie, nous allons travailler chez les voisins pour les aider.
J'espère pour le futur que la situation va s'améliorer, que nous produirons plus. Grâce à Dieu, nous avons la santé, parce que ce que nous mangeons est sans pesticides et est agrobiologique. De plus, grâce à ce partenariat, nous obtenons un meilleur prix pour nos produits. Ils garantissent l'achat de la production. L'avenir du coton, c'est le suivant. Nous avons déjà un partenariat pour le coton que nous produisons. Il y a un débouché pour ce coton à Tawa, où il y a une équipe formée. Il y a là un atelier qui peut le travailler et le vendre. Et nous avons le retour financier. Temos uma equipe organizada para fazer esse trabalho.